enrichissement illicite, haute trahison et trafic d'influence. Ces hauts gradés qui causent du tort à l'armée. L'opinion publique a découvert avec stupeur, au fil des dernières semaines, que des officiers supérieurs de l'armée étaient directement ou indirectement mêlés à des affaires de corruption ou carrément à des opérations visant la déstabilisation du pays. La réaction salutaire de l'état-major de l'armée et des plus hautes autorités du pays, décidée à assainir les rangs de l'institution, suffira-t-elle à réparer les dommages causés à l'image de la NP? Trois commandants de régions militaires, trois chefs successifs de la gendarmerie nationale, trois autres du puissant service des renseignements, deux anciens patrons de la sécurité de l'armée, de nombreux autres officiers supérieurs, des directeurs centraux de lourds départements au niveau du ministère de la Défense font l'objet de poursuites. Certains sont incarcérés, ou en sursis, et d'autres en fuite à l'étranger. Jamais l'institution militaire n'a autant fait parler d'elle que durant ces deux dernières années. Lutte de clans, opérations main propre, ou règlement de compte, le bilan démontre à quel point l'armée, qui avait pour sacro-saint principe de laver son linge sale en famille, a été malmenée, et ce, publiquement. Jamais l'institution militaire n'a autant fait parler d'elle que durant ces deux dernières années. Les trois derniers chefs de la gendarmerie nationale, un corps d'élite, se retrouvent au centre de graves affaires de corruption et de trahison. Les services de renseignement militaire, centre névralgique qui veille à la sécurité de l'État, subissent les coups et contre-coups des fins tragiques de leurs trois derniers patrons, des commandants de régions militaires en prison ou en fuite à l'étranger et des directeurs centraux à la tête d'importants services au ministère de la Défense incarcérés pour des affaires d'enrichissement illicite. Depuis l'été 2018, le tribunal militaire n'a pas connu de répit. Le coup d'envoi a commencé avec l'affaire des 701 kg de cocaïne saisie au large des eaux oranaises, sur un navire transportant de la viande congelée importée du Brésil par le mania de l'immobilier Kamel Chiki. D'un coup, cinq généraux-majors, dont trois ex-commandants de régions militaires, Labib Chantouf de la 1ère région militaire, Abderrazak Cherif de la 4ème région militaire et Saïd Bey de la 2ème région militaire, le patron de la gendarmerie nationale, Menad Nouba, ainsi que le directeur du département des finances, Boudjuma Aboudouaouer, sont limogés, déférés devant le tribunal militaire de Blida, et placés sous mandat de dépôt pour enrichissement illicite. Et c'est le général Gali Belksir, aux promotions fulgurantes et à l'ambition dévorante, que Gaïd Salah va confier le commandement de la gendarmerie nationale. Un retour d'ascenseur pour le rôle qu'il avait joué pour débarquer le feu général de corps d'armée Ahmed Bousteïla du commandement. Lieutenant-colonel alors au groupement d'Alger, Belksir va offrir sur un plateau d'or le défunt Bousteïla à Gaïd Salah. Les conclusions d'une enquête menée sur les affaires de l'un des enfants de l'ex-patron de la gendarmerie étaient l'erreur qu'attendait le défunt vice-ministre de la Défense pour écarter définitivement de son chemin le général de corps d'armée, natif de Aïn Mlila, à l'est du pays, qui le connaissait parfaitement. Bousteïla est remplacé en septembre 2015 par le général Menad Nouba, originaire de l'Oranie. Un pied à la présidence et un autre au ministère de la Défense, le général Gali Belksir, natif de Mostaganem, se retrouve à la tête du commandement de l'état-major de la gendarmerie. Moins de trois semaines plus tard, les cinq officiers supérieurs sont libérés sur décision du président déchu ou de son frère conseiller. La décision n'est pas du goût du défunt vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la NP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Les coups et contre-coups du général Boisa. Le 22 février, et alors que tout semblait prêt, pour ajouter un cinquième mandat à un président malade, aphone et immobilisé sur une chaise roulante, les Algériens sortent dans la rue par millions en ce vendredi 22 février 2019, pour dire non au mandat de la honte. Jusque-là, il y a unanimité au sein du pouvoir, et de l'armée, pour maintenir Bouteflika à son poste. Son état de santé permettait aux uns et aux autres de garder le contrôle sur les affaires du pays. Mais la contestation populaire va finir par avoir raison des partisans de cette voie. La résistance du clan présidentiel et les réunions de Dar el Afia, à Alger, entre Saïd Bouteflika, Louisa Hanoun, secrétaire général du Parti des Travailleurs, PT, et l'ex-patron des services de renseignement, le général Toufik, provoquent la colère du défunt Gaïd Salah et sonnent le glas d'une guerre sans merci contre tous ses détracteurs. Il présente ces réunions comme un complot contre son autorité et celle de l'État. Mais avant, il limoge le coordinateur des services de renseignement militaire, sécurité intérieure, extérieure,
et technique, le général-major Bachir Tartag rattache ses structures à l'état-major de l'ANP, puis nomme le jeune colonel Bob Boubker à la tête de la DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il ramène le général Wassini Bouaza, qui chapeautait depuis de longues années la direction des infrastructures militaires, et l'installe à la tête de la sécurité intérieure. Si la nomination du colonel Bob chargé des enquêtes sur les oligarques liés aux frères du président déchu a été bien reçue, celle de Bouaza a surpris beaucoup d'officiers, qui voyaient en lui un intrus dans le monde du renseignement. Les investigations du tout nouveau chef de la DCSA vont lever de véritables lièvres. Une grande partie des colossaux fonds destinés à la campagne électorale pour le cinquième mandat a été récupérée. Homme de confiance de Gaïd Salah, le colonel commence à faire de l'ombre à Wassini. Ces enquêtes menacent aussi bien le tout nouveau patron de la sécurité intérieure, mais aussi le général Belksir, dont l'enrichissement illicite n'est plus un secret. L'incarcération du colonel Zaghdoudi, chef de la brigade de recherche de Babjdi, à Alger, bras droit de Belksir, par les éléments de la DCSA pour une affaire de trafic d'influence liée à certains hommes d'affaires était la menace de trop. Le duo Belksir-Bouaza s'allie pour mettre l'équipe du colonel Bob hors d'état de nuire. Il monte un dossier de prétendu chantage que le jeune officier aurait exercé sur des hommes d'affaires en contrepartie d'argent et le dépose sur le bureau de Gaïd Salah. Le chef de la DCSA est débarqué de son poste, placé en détention avec plusieurs autres officiers et remplacé par le colonel Nabil, l'adjoint du général Bouaza, sur recommandation de ce dernier. Quelques mois auparavant, les cinq généraux-majors libérés par Bouteflika sont déférés devant le tribunal militaire de Blida. Deux manquent à l'appel. Labib Chantouf et Abderrazak Cherif, qui ont pris la fuite vers l'Europe. Boudjuma Aboudouaouer, Saïd Bey et Menanouba sont placés sous mandat de dépôt. Les événements s'accélèrent. Quelques mois après, Menad est rejoint par son fils, incarcéré pour une affaire à Oran. Puis, c'est au tour du général-major Cherif Zerad, patron du tout-puissant département emploi et préparation de l'état-major et proche collaborateur de Gaïd Salah, qui est débarqué et incarcéré pour des affaires d'enrichissement illicite. Aidé par le général Belksir, Bouaza se charge de contrecarrer la révolution en marche sur les réseaux sociaux par le recours aux mouches électroniques et par les arrestations d'activistes du Irak, notamment les porteurs de drapeaux amazighs. Mais, les affaires de Belksir, de son épouse présidente de la cour de Tipaza, et ses relations très particulières, avec l'ex-ministre de la Justice, Tayeb Lou, font couler beaucoup d'encre. Moins de 4 mois après l'incarcération de son bras droit, il est mis fin à ses fonctions à la tête du commandant de la gendarmerie nationale et obtient une autorisation, ce qui est unique, de voyager à l'étranger. Il s'envole vers la France, avec sa femme et ses enfants, où il détient des biens immobiliers et de là, il voyage d'un pays à un autre. À la tête de l'état-major de la gendarmerie, le général Abderrahman Harar est promu commandant de ce corps de sécurité. Avec l'aide du directeur des transmissions au ministère de la Défense, conseiller très écouté de Gaïd Salah, le général-major Abdelkader Lachkem, originaire de la Gouate, très proche de Mohamed Rougab, aussi enfant de la Gouate, secrétaire particulier du président déchu, le général Bouaza recommande le tout jeune adjudant Germit Bounouira à Gaïd Salah pour gérer le service des écoutes, dépendant directement du cabinet du vice-ministre. Se sentant au sommet de sa puissance, Bouaza met le pied dans le processus électoral présidentiel en soutenant le candidat Hasdine Mioubi. Des directives sont données à de nombreux walis et à des hommes d'affaires pour aider le secrétaire général du RND, par intérim, de gêner l'avancée de son concurrent Abdelmadjid Tebboune. Après l'installation du nouveau président, le décès inattendu de Gaïd Salah et la désignation du général Saïd Chengria comme chef d'état-major de la NP par intérim, tout portait à croire que l'état parallèle de Bouaza allait s'effondrer. Il prend les devants en organisant, en mars dernier, la fuite de Bounouira à l'étranger, où le général Belksir est déjà installé et ne compte plus revenir. Les langues commencent à se délier. La nomination du général Abdelghani Rachidi, comme adjoint avec de larges prérogatives, sonne sa fin. Quelques jours après, il est arrêté, déféré devant le tribunal militaire et placé sous mandat de dépôt. L'enquête sur l'affaire du colonel Bob conclut que ce jeune officier et son équipe ont fait l'objet d'un dossier monté de toutes pièces par le général Bouaza, ses collaborateurs et l'ex-patron de la DCSA. Le colonel Bob est libéré, puis réhabilité avec la dizaine d'officiers en détention avec lui. Proche collaborateur de Wassini,
le colonel Nabil, entre-temps devenu général, chef de la DCSA, et le responsable du service judiciaire, sont également placés sous mandat de dépôt. Arrêté par les autorités turques et livré à l'Algérie, le jeune adjudant Bounouira lève le voile sur sa fuite organisée et les réseaux qui l'ont aidé aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Quelques jours auparavant, et moins d'un mois après sa promotion au grade de général-major, en juillet dernier, le successeur de Belksir, le général Abderrahman Arar, est limogé. Son nom figure désormais sur la liste des personnes interdites de quitter le territoire national, alors que le général Belksir, n'ayant pas répondu aux deux convocations de la justice, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international pour haute trahison. Mis à l'écart depuis deux mois, le général-major Abdelkader Lachekem est débarqué de son poste de directeur des transmissions, et ce n'est que ces jours-ci que le nom de son successeur, le général-major Farid Benjerit, a été annoncé. En deux ans, trois commandants de la gendarmerie nationale ont connu une fin peu honorable. Il en est de même pour les services de renseignement. Les nouvelles équipes qui ont pris le relais auront du mal à rétablir ce qui a été perverti durant cette courte période où des pouvoirs exceptionnels ont été donnés à des officiers qui agissaient en électrons libres, sans aucun contrôle ou contre-pouvoir. Les dommages collatéraux sont très lourds. Faire revenir chaque institution à sa véritable mission constitutionnelle est très difficile et prendra certainement beaucoup de temps. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.